Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Riton, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, c'est votre humble serviteur Eritor. J'espère que vous allez très très bien, moi je vais super 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 très bien. Voilà, je vous avais promis cette vidéo à 18h aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de Serge Beno, Didier Arafat et Dédé Bordeaux. Mais bien avant de me prononcer sur ces trois artistes-là, j'aimerais juste signifier quelque chose. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris, non pas beaucoup, une petite minorité de personnes n'ont pas compris mon message ce midi-là. Dieu merci. Beaucoup l'ont compris. Beaucoup l'ont compris. Voilà. Et si vous regardez bien mon titre concernant la réconciliation entre Didier Arafat et le truc et le mot là, il y a un point d'interrogation. Voilà. Pour ceux qui sont allés à l'école, ils savent ce que ça veut dire. Une autre chose. Quand je fais mes vidéos, je fais des montages. Donc j'ai eu tout le temps de télécharger la vidéo. Ça, c'est un. De la regarder, de la visionner pour constater effectivement que ce n'était pas la coiffure de Didier Arafat en 2018. On n'a pas dit actuellement où on parle. Vous comprenez un peu? Donc cette vidéo était faite exprès pour faire dévoiler un peu certains fans. Voilà, et voir s'il y a des fans qui sont d'accord pour cette réconciliation-là ou bien qui veulent toujours voir Didier Arafat et le Mola en discorde dans cette guerre froide. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit dans la vidéo aujourd'hui, tôt ou tard, ils vont se réconcilier. Ils vont vraiment, vraiment se réconcilier. Et ça va vous faire mal encore. Bref, j'en ai fini. Maintenant, concernant Didier Arafat et Dédé Bordeaux, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. J'ai juste trois points à discuter avec vous. Comme vous réagissez beaucoup en commentaire, je me sers de vos commentaires aussi pour réagir souvent dans mes vidéos. Voilà. Le premier point, c'est vous dire que Dédé Bordeaux sort son prochain single le 1er novembre à 0h, c'est-à-dire à minuit. J'ai fait déjà deux ou trois séries de vidéos pour vous expliquer comment les choses vont se passer. Donc, je compte vraiment sur vous. Le deuxième point, c'est concernant les concerts. Voilà, le concert historique de Didier Arafat et Dédé Bordeaux à l'Ivoire Golf Club. En fait, vous savez le problème, c'est quoi? Pour ce concert-là, il y a deux points qui me dérangent. Parce que selon mes recherches, l'Ivoire Golf Club peut réunir seulement pas plus de 15 000 personnes. Voilà. L'Ivoire Golf Club peut recevoir plus de 15 000 personnes. Oh, franchement, les fans de Didier Arafat et de Bordeaux, en Côte d'Ivoire ici, nous dépassons largement, je dis vraiment largement, la barre des 15 000 fans. Largement. Donc il y a quelque chose qui me dérange. C'est juste une suggestion. C'est quoi la suggestion que je vais vous demander? Vous ne voulez pas qu'on fasse une opération Félicia? Une opération Félicia. Donc, si vous voulez, si vous êtes d'accord déjà, vous pouvez déjà partager la vidéo pour que je continue d'abord ce que je suis en train de dire. Partager la vidéo. Une opération Félicia qui consistera à faire quoi? À changer notre logo pour dire des Bordeaux et Arafat, 29 décembre 2018, on veut le Félicia. Peut-être que quand les autorités vont voir ça, ils vont peut-être se pencher sur notre cas et nous donner ce stade-là. Et on va le remplir. On peut le remplir. Voilà, c'est vrai que nos artistes nous ont pas fait conscience pour choisir cet endroit-là, pour choisir ce site-là. Mais nous-mêmes, on va leur montrer qu'on est prêt pour ça. Voilà. Je vous informe. Faites que ce concert-là ne concerne pas que les fans de la Côte d'Ivoire. Parce que ce concert-là concerne les fans de la sous-région, c'est-à-dire le Bénin, le Togo, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun. C'est-à-dire tous les fans du monde. Parce que moi j'ai reçu plusieurs confirmations des fans de Didier Arafat et de Bordeaux à l'extérieur qui nous ont dit, vous n'avez pas dit qu'ils m'ont dit, qu'ils seront là ce jour-là. On s'est pour dire que c'est un concert explosif. Explosif. Excusez-moi. C'est un concert très explosif. Voilà. C'est pas un petit concert, c'est pas un concert amusement, c'est pas un truc. Nos artistes nous ont vraiment, vraiment négligé sur ce cas-là, mais bon, on peut rectifier le tir. Peut-être que notre requête n'aura pas de réponse, mais on peut quand même essayer. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on essaie, ne vous gênez pas de me le dire en commentaire. Voilà, ne vous gênez vraiment pas de me le dire en commentaire et de me donner un peu des stratégies pour voir comment y pallier, comment y arriver. Voilà. Cependant, le troisième point, c'est au niveau du coût des tickets. Parce que Arafat, à ce midi, lorsqu'il a fait son apparition à ce midi avec des Bordeaux, il a dit que ce concert-là sera à tarif unique. Donc, j'aimerais bien que vous me proposiez aussi, en même temps dans votre commentaire, vous m'avez dit dans vos commentaires, le prix que vous pensez que ce concert la mérite. Le prix du ticket de concert que vous pensez que Dédé Bordeaux et Didier Arafat méritent. Parce que c'est ça, un concert à tarif unique. C'est un concert inédit, les amis. Ce n'est pas un petit concert, c'est un gros, gros concert de malade. Franchement, je compte sur vous.
partagez la vidéo et commentez. Donnez-moi vos réponses. Donnez les réponses à toutes mes suggestions pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Merci encore. Cependant, j'avais rien de mal à dire si Serge Bino. Son concert à l'Élysée Montmartre, c'est dans 2 jours. C'est le 20 octobre. Voilà, c'est le 20 de ce mois. Donc, je réitère encore mon souhait, mon désir de voir la Chine et la Légion du côté de la France s'est dépassé massivement pour aller soutenir Serge Bino. Parce que c'est un artiste ivoirien et c'est la musique ivoirienne qui gagne. Je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment que vous vous dépassez massivement pour aller soutenir Serge Bino. Pour qu'il épouse cet esprit de réconciliation, d'union entre les acteurs du coupé décalé. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on fait des vidéos souvent pour lui envoyer des pics, soi-disant pour le clasher. Mais au fond, on ne le déteste pas. On l'aime beaucoup. Voilà. Qu'il revoie un peu son comportement, sa façon de faire. Et tout redeviendra comme avant. Comme il a certains fans malheureux qui pensent qu'il n'a pas besoin de nous pour devenir Serge Bino. Parce que mine de rien, s'il veut se comparer à d'autres artistes, il n'a aussi rien. Il a beaucoup encore à faire. Je pense que si on l'adopte nous aussi, ça pourra le propulser. Donc c'était un peu ça. Merci de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci encore. Merci.